yete onioiowoo ɗacommantair woni no ko libre les faits sont les fat onon en 2 octobre un konno fiƴƴiri defileun kono defile un fiƴiri on wattani yila no wooduno woɓɓe nyande ha tawno ɓejnnjnano inkaaje tawnoe ari o pinkaajeeleje konɗum waɗi ɗum pourtant yiɓe wawno jonnede horgo ngon tun hara chargeron inotonmi hara fu salano nderton fionɗum senerd ndennyande jonnugol bata n najmaɓɓeɗnsienmi wowlinolfeƴƴunodann ko an tawɗoon hiɗa waɗa jookoje hresk

o enen woni e ƴettude ariru waɗadu butri kadi ndin buutori waɗen ngayuri kono wonde waɗirde ɗum a yiya yimɓe ɓe hikkaki hay nokku ƴettenɓe ɗo be lootenɓe wujenɓe nebban labinen e waɗene ko woni kon fo haa ɓe ɓe wona neɗɗo ɓe yirtitann min mi enennnprɗo ko ene e darta ene ene enen wonɓe e dartaade ngun jaggu en ndaaray goddo mo tawata o hikkaaki hay nukku fus o faka me wonde ma enen tun e waawata ngaynude go cippiro enen tun si miinni gaynde go cippiro enen tawɓe ben e yi'i sonjaon en andi wonde ma ko ma darte ndara goddo mo tawata ko puki wal fus o nafa jette mo tawne fi townnfimakko o nda'ara non kanko kadi ko mi go se st be wadi en bargal ma be wadi en jangal si siko wonɗoy lumbude ndiyam o wallina en wonte ngal ƴalngal yannde o lumbi si o wontiri ka gaɗa o hendo o leggal ngal o taƴal gal wontire non enen ka wonno wonnoɗen ɗon han jooni si tawi ko faalaaɗo heewtoyde ka dow o waɗa en ɓargal no hewtiroy ka dow o liwta ɓargal ngal o liɓa ka leydi wonen enen wonno wonnoɗen ɗon si oɗo non kadi yehii haa konko o faalaaɗon reysii si ma reysii saali

mi weltanoɗo moƴƴa onorable fade s mi yi déclaration honoren waɗ no, a assembl général do exclusionɗoio miytinɗhnɗolebi minni yo ɓe accitu frondeur ɓe yoɓewaɗukaɓe yobe, yobe, fala. kala non tawdo ino mari recriminationmo o waɗata yoittndr kala wonɓe ƴawde ka réseau sociauji ɗoo woola ko ɓe wonie ɗaɓɓude kaka ɓe wictimise o kaka wi'eeɓe bonni hara okoreoni ɓe kokore ko kore woni ko bonni kocce haraynaao hara ko wonɓe ɓen mardi e emari elaw en foppe hiiɗoo baaba zagal o ko be yalti ɓe yewti kon ɗo e ngol ɗerolngol tawano en foppe en siivi justement non efdg yiino jooni anndii ko honno ɓe wona e waɗee de distraction IFDZ yi andi ko honnonon tawiri stratégi maɓɓe arano mo tawno kala kadi ko yo gerde ɓe andi joni handeanaɗum nafata ɗum ɗo ko jusquau mois de novembre mcritiaug ɗumɗoafeaajsdéclarationjimaɓɓeɗɗrecent sortiet mde kakanko dansa immi ariɗ o tappa kon o liba o jinsita on debbo huwumo ɗumɗon alajji sellu ari pour la premier fois ɓe mni deba eyrtata ayaɓe tun annda be maitrise sisé maɓɓe oi hari alaji sellu si invitama ɓe alaaɗin technique ji question naba naɓa tigi e deba mo ɓe faala un hari ara ko kesion, réponse. o technique mo ɓe inata on loƴugol lingingi hari ɓe mo kono eyiɗono ɓe waɗiri non stratégie yewtere nden ɓe gerdi e debbo n ɓe naɓimo kaɓe faalaɗon modi fuu weltoi o sorti alajji selluɗo ko ɗum ɗowoni ko landiɗe liader ɓe politiquɓeɓen ko ɗum ɗo lanndiɗen si woluɗen fi le changement si tawi aniɗa waɗude huunde wotore nden toujustujours ndeɗo nafalima goɗɗum fehonɗum wonɗa yiltitaade toujours waɗa ndenɗon fela non goɗɗo arnkheɓudko faalanagoalerteinsein o inna ɗo wonde serbeau makko on ko du woni ngadi makko hakkille makko ɗen hino ɓuri hakkille luttuɓɓen fo ko jogee kon ko siyantifice be ɓe yewtiɗum o inni alaa wonugol ɗayre ma bulaw yagal ma angal anndugol ko honno woni wonie yarude nde tuma waɗuɗaa huunde wootere nden habbitiɗa yo taw ko yaltoyta e nden huunde wootereɗon yotaw no serti si ario kw a ike ajuwike a yilti tike ari ka a nike ajuwike a yilti tike Hande kadi elong' hara naakoom maduude ko'ha won ni problemo ko awu ni problemmopa si ayuwino ko a a ajudo tako. Alhamdo lainjoni dundoufu nike bat tinde ama minnatako kome yoti doko wed. Kono paiun ko dundo wonnde' yutuude siwadi en we torai dundo.

sondonduma komi yotu no confirma noka mi precise don no mi wada do pozo wonde makoni wadude koni hore liban koni wadde koni hore palestine koni wadde koni hore siridi e kala koni wadde su region ndon mi tawta few mi tawta yugol boboy koy tawata fusko i hino ware yugol nenirade hino lettoda ebi be mudu yiwgol ɓe neniraaɓe ɗo hiɓe wonta eguɓe sabu modi maɓɓe warama ɗumɗoouusi gol on ma neɗɗo onno woniriowniɗneeerƴammakoohe ɗumɗoota entiiinon endin leydidi tawata kondi allah waɗi teddugalemuɗum igol ɗum ɗo fota, fota few kono mi wowlan non min ni ɓe andi mo kala honto woni seede onnon konɗum waɗonon après ko lijerbe gelu wombe liban wombe iran e wombe kanyum palestine wara gibi mi wawli dum jama en iwa emotion koko ne fetu de do ko ni hebi no dubi no preparede. gibi ete 2006 ka israel e liban e palestine nangondirno israel sortori karahan be sedi ka hocharanan ko funun ko kufuno ino joɗi ino miijitaade ko honto wonno akke maɓɓe ɗen ko honto wonno yananɗe de maɓɓe ɗen fii yo ɓe prepaare ɗum ɗo hara wadali kogo go no kon le octobre 2023 hibe anduno andu no andu no fi mu few hibe anduno kadi be arde ɓen hibe anduno kadi arane de be kono tai ko maa ɓe acca ɗum ɗo waɗa ɓe heɓaka ɓe fokkitira fi waɗugol gemaɓɓe seede on ɓe anndi non mo kala hon to woni e tay katawi hiɓe wonno wonnooɗo on dubai ko ɗum woni emira arab eni ɓe faalaaka do tawe e gere on ko ɓe waɗi be ɓe dam ɓe be geri ɓe wari goɗɗo sengo iran heɓe anndi oɗoo oɗa no weldi hibe andi o ara hiwragol be ɓe mo ɓe habbi haa o naati iran no. ka wonno nder dubai hanno ɓe hawray makko ka wonno emira arabini ko paske ɓe falaka yo ngo yaltu kun zoonun kumɓe falano c'es extrêmement important yen fuɗɗoro yewtere nden ɗo fiihonɗum fii anta tawɗon yiɗa ndaarude do ya anndu moƴƴa ngoo cippirowongo wadde lagine do kadi ko honɗum haanoɗaa ƴettude suuta hakki en goo gere mo koy ko fuunoe woni e waɗde ɗo o oh ngere mo koy ko funoe woni e do ɗo hiɗa marika janga e muuɗum ogere mo tawata ɓeeɗo wonaa ɓe doolede no heɓude no mari a janngaimuɗum koɗu mi faalama wiɗe mono faala heɓude goɗɗum o fokkitanaylaw o heɓlano o eɓɓana kadi si mi fokkitani mi heɓaal koɗun mi hikkotaɗon no mi wiiri onnon ɓeeɗo duuɓi-duɓi hiɓe heɓlinde ɗumɗoseede non kadi komni woldekon ocriis mo liban woni ɗo e muuɗum ton non diaspora libanaison ko ɓuri ɗuuɗude yaltude e leydi kadi kaɓe woni wo hara koɓe be ɓe daɓude kono fii tun yahugol haa lo'ina ɓeɗo kohonɗum ɓe waɗi en yi'i criis don liban hiɗen andi dévaluation waɗɗoon kadi ka leydi maɓɓe hiɗen andi kadi ko fettunokon ka por mabbe ɗiiɗo fu hari no heɓleede ko honno be do tawata si nangodiri e mabbe bay kambe ko leydi wotiri ɓeɗa non ko be tato ha nayo ko honno wadirta be do be lahinira be goto goto tawa si nangodiraama mo wodi ka hirni tawa ala dole moƴƴam konɗonom woni de o koté economiqa tawata ko do o ɓe adi tappirde liban ko an anwon ɗo yawitaade unɗo sikkasi a di seenirde ka bange buuɗi awata hettude goddum ndaareeɗoo koy kufunoy ka geri fi fii prepaarugol o gere maɓɓe ɗo naa dey wonaaɓe piirideede ɓen yani, ɓe ko kambe palestin nanngondiri kono be tunɓe anndisi palestin memminaama ko liban e iran e siri immoto ko wonɗum ɓe waɗi ɓe ndaaru taw mawndu gooki ndun ɓe ndaaru do wona ɗo cippireede on ɓe nanngondiri e makko e o gere mo tawno ko 2014 on gere duwanoowaɗude andi ton non minninon ko gibi et 2006 gere on tuma mo tawata on neɓata wona duuɓinoogay duuɓi noogay ɓeɗo no hebilanaade ogere hanɗo ɗun yiɗa sikkaɗo wondemako ender balɗe ɗiɗi un areenɗonaɗeppironaan wonɗo efaminde wadde ko awowlaali tigi tigi ko woni kon ka nder ɓernde maa a felay e men tu woni kono koye kufunoyɗoɓe ƴettii duuɓi sappo e jeetati fii hewtugol kaɓe woni ɗo an ɗo non ko duuɓi nayi do. e felirde ɗo iwenɗon ka duuɓi sappo e jeetati hino preparade ɗo arten 2014 ko wonnoo kon hakkunde ukraine e riisi fewno ɓe waɗi invasion dombaso on tuma hanno portoɓen immanoo mo kanko putin nononnon hiɓe anndunoo on tumasi ɓe memminike ɓe waawata no heɓude ko ɓe faalaakon ɓe acciti mo o waɗi ko watta warta kon fo fondo wonno mi wolde ɗo 2022 wonde mariisi nangondiraama on tuma sikku no ko putin mi wonno kono onon hari o renaaka fokkitaa ɗon hande ɗo non en fof e yii mo kalay no mo waawi on do ɗo e yii gere tammo on gere winndanngenkeejo on taw on ko aduna on fo tammo on o fuɗɗike sitawi ɓe yetaki ma ɗum toolaao yetikema hannde ɗowonde maungereu fuɗɗike kono non waɗi si ɗen yewturefiiɗum ɗo ko parsque justemant hettunooɓe hoore muɗum un ka colonisation ɓe profitu ngere arano un ɓe landiti hoore maɓɓe woɓɓe jonna woɓɓe foda woɓɓe salana on gere arano o lanni gere ɗimmo on waɗoyi ɓe ɓe wonɗon e yidi hande ɗo nowade kowniwadeɗoon ko kamɓe finansunoo gere arano un fii no ɓe hettira hoore maɓɓe ko ɗum waɗi itler desidi be do men andi hande kadi ko be buuɗi ko be gere sino waɗude ko ɓee ɗo me re'ata fi muuɗum o darii e hoore maɓɓe o wadi be ko o waɗi ɓe kon fo no wonirnoonon ka gere arano ɓe warano ka gere dimmo kadi ɓe wareede o profiti kanko kadi wi o wi'i o lannay e fii ɓe ɗo kono eɓe ƴoƴi ha ɓe geri kamɓe kadi ko ɓe no kon no ka gere arano ɓe ronkae jona de ɓe landakigo ɓeyiminearieiminigrmaɓɓen ermaɓɓe sraharianeionainɗuminin dun no. do ɗumɗofo e ko paskesi on sikki o adodo, na o do naoɗo profiteten fi enen kadi e landi to di di ɗin ɗi tawdi tawɗiɗo mo kalano ka hilni fof hino la'i fewnoɗo haray yon sikki haray en ɗaynii hore meɗen ka tokkugol yewtereeji ɗin ka no kon kayum kadi nomi wi'iri en non wonde mako premedité fihonɗum ɓe jogii ɗi bipeerji ɗo fof fi, di, do, fi fo, be be ene, on fionɗum ɓe waawii hewtude ɓe ɗo fo hanjooni ɓe anndaali hon to be otage ɓe do jooɗi ono ɗum ɗo findinali on hakkille ɓen seeɗa ene juhaali on yo taw e hoore ko tawata kon hiɓe andi mo kala ka wonno ɓe ɗo profiti lo s octobre feƴƴunooɗon you know, naati wari ɓen ɓe wari ɗon ɓen fop haa woɓɓe modon kelli inni wonde ɓe waɗi golle labade fi onɗum ka tai ɗe anndi goɗɗo wonɗo a 10 étage ka nder leydi ɓe hewto hewtoyde onɗon ɓe wara mo kono haa weetago hannde ɗo ɓe wawaali anndude hon to otage be maɓɓe ɓe woni ɗum ɗo juhaalioonon awa heɓe andi honto otajɓe ɓe woni Hibe andi kadi ɓurɓe maɓɓe ɓe mai, kono fiyo yo ɓe lanni to gere on ko maa famine famina hanjoni ngo cippiroɗoɓe famine na dundong ɓen wonde mako makobe woni goe wadirde, ko fii hettugol ɓen alorke eɓe andi honto ɓe woni hibe andi kadi fiyake maɓɓe ka wawi andude ɗon mo kala honto woni ɓe hewta mo no ɓe do hara ciwil ɓe ɗuɗaarikowara ko non kadi be andi honto otajɓe woni. si an a waawaali faamude ɗum ɗo annda ngo cippiro wonngoe waɗde ɗo ko eɓɓanaango hay huunde alaa waɗirde ni tun hara yilti to kadi ɓey da moƴƴa ganndal ngal ɗum ɗo fo en fuɗɗaake han jooni laybe meeɗen ɗum ɗo fof en fuɗɗaaki tigi tigi komi faalaaya anndugo ɗum ɗo fo ko daƴƴere nden mi wonma fuɗɗanaa de hollugol ma go'o si taiɗi hawji ngo cippiro ɗo diru a wonaale prefingo cippiro ɗum kogo'o

joni non e kaseenerde un par sque ko ɗom ɗo habboto la yewtu mi wino en e majini maƴinino ɓe le premier octobre ka don ɗon e weetude ɓayɓe yi on live don tay ko ɓe obligé go rearrangement ɓe sans appiji no ton dayer ɓe panika ha a tel point be inna ko honno tawiri toola wawi joɗaade ka jooɗo ton wowla programme mo jogiɗon y compris wowlugol kanko idiamin konto woni a yade o ɗum ɗo perturbeɓe a telpoint hannde ɗo onon wonɓe lagineɓe iɗo reeni ko wonno tawiri patruile wonɗo e waɗde un on fop o yido ko 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 woni efeƴƴudtono et anani do wonde mayno ma no interise ministre ɓe ɓenfoyaltugol ledind i ndu ɓata kuruɗondu tawata haysi en heɓaali confirmation wonde mako original maa ko authentique kono en heɓaali demanti

sabu be ko tawata kon ɓe wowli fi crise économique mo ɓe jogi on kamɓe ɓe suɗali few ma ko ɓe wiiri ministre jo hay goto wata ya mission haa nde hitaande ɗo lanna ko fi wo ɗuytugol dépenses yidi be mari ɗin kamɓe ɓe suɗaali awa fewo do niti kanyun kadi sabu ko tawata buuɗi lanniriɓe kon hiɓe prevy waɗugol vant harama ko lotudi Se merde, foda ma 20 milyar de dolar proje Simando. Be foda di, kou doun do wouni anvelop global an. Be jonna ma kanyon ka di 100 milyon de dolar. Pour etre plus exact, 99 milyon. Paske, 1 milyon an harikoma ye ha nokogo fi fre dosye di din e transfer mbou li din. aux 99 99 millions de dollars, andite hari ɓe landike ka banki banqeji be ɓe jonnama 500 millions de do dollars. donc si fait qui o 500 millions de do dollars mo ɓe landi do, mo tawata yonali ɓe pecce jowi ko fait feccere wotere woni ka behendi, ka proje do. be henndi ka projet simanduɗo donc onon wonɓe e wiide ɓe wonde ma be mari buuɗi ɓe mari buuɗi ɓe hendi no mbudi ɗi tawata ɗinɗon taw ko honto yeyi yehi ɓe en ko fi infrastructure ko infrastructure ji jelu yiwɗon kesun giɓi gibi innaade mbudi ɓe jonnama di ko mi faalama yetaade musiɗɗo senerde e o zabwa senerde lahi waalika ka leydi kono non seulement service de renseignement maɓɓe on ko defayan mais pression o wo woni interne et externe hannde ɗo sutien mobe marno on en sutanike onɗonnon kaum kadi fuɗɗo ɗennon libe onɗo tigtigi on fo oyi declaration ji di union européenne on no waɗi e yino oni on ka kalanon kayiɗon ande ko etazini woni etazini kanyun kadi no de declaration mabbe on moyi otom si alla yabi dal les jours venir don hara ko etazini on tigi waɗi no tawiri non union européenne on waɗi nations Unies on waɗi kala wiyeteɓe ɓen ko organisation ji ɓurɗi e mawnude ɗin waɗi ko waɗatako en fop kadi en yi'i hankinɗo déclaration mo tawata on rendu mo france on tigi waɗi e yi kanyun kadi deba feƴƴuɗon ka ɗuma ka, 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 ka tribune on union européenne mo tawata cage maɓɓe on ko belgique woni ka tawata ɗon be kanyun kadi interpelli union non plus particulièrement ministère kaƴum belge bébé. ɓe ko ɗum waɗi hannde ɗo fii kaalagine on si hankinnon ari lobiiji ɗigino ɗibbude hara fi lagine o yewtataake beru on, on hande kadi o soti hande kadi konko tawnoɓe wannogol narugol sakkino be howno fii wata lagine o yewtu hande kadi ɗumɗon on boni adadi asɗa kono a waawata suuɗude naage ngen ka tawata yimɓe ɓe yiyatange ko gite maada ɗen suuɗata a waawata ƴettude jungo wada ni suuɗa nage ngen ha tawata ni ndi wawata hentade ko gite maɗa ɗen obata saa suuɗii ɗeɗo non ayyata naage gen snreɗn hande do en interpelli yfapon par example, emako, kanko tigi Emmanuel macron Je vais vous dire, l'Organisation internationale de la francophonie n'a pas réintégré la Guinée. Elle a réintégré plutôt l'OCNRD. L'Organisation internationale de la francophonie a montré encore une fois sa mauvaise voie en ce qui concerne les valeurs républicaines et démocratiques. En un mot, l'Organisation internationale de la francophonie a montré que c'est son intérêt qui compte, pas l'intérêt du peuple. Sinon, comment comprendre que Mme Louise puisse justifier que la, le CNRD a été réintégré, à de la suspension, contrairement aux autres pays en transition, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina, pourtant des pays qui ont fait des coups d'État sans effusion de sang, des coups d'état dans des pays instables qui peuvent justifier la raison du coup d'état par l'instabilité et l'insécurité qu'ils ont. Mais que ces pays soient maintenus dans la sanction et qu'on réintègre la Guinée où il y a eu un coup d'état contre un président civil démocratiquement élu, fut-il mal élu d'après vous, vos interprétations Pourquoi Parce que désormais, cette notion de mal élu, elle est questionnable. Au Niger, ce n'était pas un président encore élu qu'on a destitué là-bas et qui est d'ailleurs toujours en prison, lui et sa famille. Comment comprendre qu'au Gabon, un président encore démocratiquement élu, comme c'était le cas de M. Alpha Condé, qu'on l'emprisonne, qu'on l'enlève d'abord et qu'on l'emprisonne, mais que ça soit toujours en Guinée qu'on réintègre la Guinée dans l'Organisation Internationale de la Francophonie. Cette Guinée pourtant qui a pris un engagement pour le retour à l'ordre constitutionnel dont l'engagement expire le 31 décembre 2024, c'est-à-dire dans moins de deux mois. Pourquoi nous disons dans moins de deux mois Pourtant, il reste encore deux mois et quelques. C'est parce qu'on était supposé avoir avec, on était supposé avoir Ravec, la, la, le référendum, et on était supposé avoir nos CRS que les élections locales parce que le schéma, c'est de la base vers le sommet. Donc, c'est dire qu'on est très loin de ce retour à l'ordre constitutionnel. Si le calcul de pointage est basé justement sur cette bonne foi et cette bonne volonté, la Guinée a totalement échoué et ne devrait avoir aucun point. Ça, c'est sur l'aspect du retour à l'ordre constitutionnel. Sur l'aspect du respect des droits de l'homme, comment comprendre qu'une gente militaire qui est venue par effusion de sang, qui a tué des militaires républicains parce qu'ils défendaient une institution républicaine qui est la présidence et un président démocratiquement élu, validé par les institutions du pays, comment comprendre que cette gente-là puisse avoir une faveur ou une excuse pour qu'on la réintègre. Ce sont des assassinats qui ont eu lieu dans la nuit du, 5, dans la nuit du 4 au 5 septembre 2021. Malgré ça, l'Organisation internationale de la francophonie qui dit défendre des valeurs a, ou, a omis de prendre cela en compte. Pire! Si le CNRD ne se contentait que de, de dire qu'ils avaient fait ce sacrifice pour sortir la Guinée et les Guinéens de l'injustice qu'ils ont prétendu ce jour-là mettre fin Comment comprendre qu'aujourd'hui que le CNRD se comporte pire que tous les régimes précédents À savoir, il n'y a pas de liberté de presse aujourd'hui. Combien de médias ont été fermés Des médias et pas des mondes. Des médias qui ne faisaient que leur travail. Combien d'employés ont été mis au chômage en violation systématique du droit et en violation systématique de tout ce qui est de, de règles de bonne séance Combien de mois la Guinée était coupée du reste du monde parce qu'on a décidé de couper l'Internet L'Organisation internationale de la francophonie ne devait-elle pas tenir compte de ces abus et de cette injustice Combien d'activistes ont été interdits d'activité Combien de partis politiques ont été interdits d'activité D'ailleurs, n'est-ce pas au mois de mai 2022, c'est-à-dire plus de deux ans, depuis qu'on a interdit aux partis politiques des manifestations externes Le Mali l'avait fait. Mais le Mali, à un moment donné, malgré la question sécuritaire, a réhabilité les partis politiques dans leur droit d'exercer en dehors de leur parti politique. N'était-ce pas une raison ou un point pour que le Mali puisse être réintégré, ne serait-ce que ce référendum qui a été fait, cette constitution qui a été obtenue, mais aussi le fait de rétablir les partis politiques dans leur droit N'était-ce pas... Est-ce que ces raisons n'étaient pas des raisons valables pour qu'on tienne compte des points pour que le, le Mali aussi puisse être intégré Mais non. C'est dans un pays où on est en train d'aller dans le sens contraire, c'est-à-dire baïonner la presse, ôter la liberté à ses partis politiques sans justification aucune. Pire, on, arrise, on assiste à des arrestations et à des exécutions même sommaires. Qu'est-ce que l'Organisation internationale de la francophonie a fait de ce rapport de, 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 du département américain euh, des, des, des affaires extérieures, du département américain des droits de l'homme Qu'est-ce que vous faites de ce rapport Un rapport tellement sanglant, sanglant qu'il a parlé même d'exécution extrajudiciaire. Un pays dirigé par des militaires qui se permettent de faire disparaître des personnes. Disparu, c'est le terme que eux ils emploient. En réalité, ce sont des kidnappings qu'ils font à longueur de journée. Et que l'Organisation internationale de la Francophonie dise qu'elle a réintégré la Guinée malgré toutes ces dérives, malgré toutes ces violations flagrantes des droits de l'homme. À quoi sert sincèrement cette organisation Quelles sont les valeurs Quelles sont les vertus que peuvent désormais, que, que peut désormais euh, euh, prétendent défendre cette organisation. Elle lutte pour des valeurs ou bien elle lutte pour des intérêts. En réalité, ce n'est qu'une question d'intérêt et d'un intérêt personnel. Parce que, d'après eux, la gente n'a pas du tout collaboré avec d'autres puissances qui ne vont pas dans le sens de ce que vous, vous voulez. C'est-à-dire que puisque la gente guinéenne n'a pas collaboré avec la Russie, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles, puisque la gente n'a pas collaboré avec la Chine, parce que la gente n'a pas collaboré avec les pays du BRICS, pour faire simple, voilà pourquoi il faut les récompenser. Donc c'est dire que les valeurs démocratiques sont en fonction de la, du pays qui est en train d'être euh, mis en cause. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un double standard. Lorsqu'un pays est en train, régime est en train de baïonner, lorsqu'il est en train d'opprimer son peuple, s'il est en train de faire les valeurs européennes, occidentales telles que vous, vous les voulez, ça va. Alors pourquoi aujourd'hui on est en train de défendre, on est en train de combattre l'invasion de la Russie au niveau de l'Ukraine que tous nous condamnons mais que vous êtes en train de fermer les yeux sur une oppression où ce sont les régimes qui sont en train d'opprimer leur propre peuple. Le moment est venu justement pour sortir de cette hypocrisie. Le moment est venu justement pour dénoncer ce double standard. Le moment est venu justement pour la deuxième fois et cette fois-ci de manière formelle, pour dire à ces puissances, particulièrement la France, parce que c'est elle qui est en train de faire tout ce bordel dans les pays africains, vous m'excusez du peu. Que désormais que cette indépendance soit effective, la France fait partie des premières métropoles à venir en Afrique. Elle est parmi les dernières à sortir de l'Afrique. Mais jusqu'à présent, comment comprendre que jusqu'à présent qu'on ne puisse même pas prétendre qu'il y ait un président ici même de l'Afrique d'outre-mer, de la France d'outre-mer, j'allais dire, la Guyane. Tout ces, tous ces pays de Caraïbes, tous ces pays de la Réunion, comment comprendre qu'au XXIe siècle, que des Français se battent dans les rues, qu'ils fassent des manifestations pour qu'on homologue les prix de la France, c'est-à-dire la France métropolitaine et la France d'outre-mer. C'est-à-dire qu'en France, vous continuez toujours d'avoir ce double standard. Même les citoyens français sont classés par ordre. Il y a toujours ce zonage, il y a toujours cette classification sociale. Et c'est sur un pays comme la France aujourd'hui, qui traverse toutes les difficultés du monde, d'ailleurs, qui est celle de, qui est à la base de cette, de cette invasion massive d'Africains sur les sols européens. C'est la France qui est en train d'entretenir tout cela. Parce que ces migrants clandestins qui sont en train de rejoindre les côtes européennes fuient des injustices provoquées par ce gouvernement actuel de la France, dirigé par M. Emmanuel Macron. Le moment est venu de se dire les vérités. Aujourd'hui, ce nouveau gouvernement français, qui est issu justement de l'opposition, doit continuer sa démarche et se désolidariser de cette mauvaise gestion calamiteuse de M. Emmanuel Macron. Vous avez échoué, monsieur Emmanuel Macron. Parce que c'est sous votre gouvernance que tous ces pays africains ont décidé, ont ouvert les yeux pour voir la flagrance du de deux poids, deux mesures que vous êtes en train de faire. Pourtant, l'espoir était sur vous parce que vous êtes un jeune. Pourtant, l'espoir était sur vous parce que vous aviez convoqué des leaders jeunes africains pour s'adresser à eux directement et comprendre leur peine. Mais nous comprenons qu'en réalité, pour le cas de la Guinée, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un président français sur la Guinée. Faute d'avoir la Guinée encore sous une colonisation, vous avez décidé de faire un coup d'état contre M. Alpha Condé parce qu'il a dit de couper le cordon ombilical pour mettre un légionnaire français comme vous aviez fait au Tando Bokassa. Bokassa de Centrafrique, c'est le même profil avec Mamadi Doumbouya. En violation totale. Nous savons désormais qui est en train de conseiller le CNRD. Nous savons quel rôle sa femme gendarme française de souche est en train de faire sur la Guinée. Nous avons désormais compris que vous êtes en train de mettre à mal d'abord les Africains et les peuples français. Mais en même temps, vous êtes en train de mettre à mal les Français avec les autres Européens. Parce que tout ce qui est en train d'être traversé aujourd'hui par les Européens, qui sont submergés par cet ordre, par ces vagues d'immigrants, de migrants clandestins. C'est la faute de la France qui est en train de très mal gérer les pays africains, où ils sont installés, où ils sont en train de supporter des, 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 des régimes antidémocratiques et des régimes qui sont dictatoriaux. Heureusement que nous voyons ce nouvel élan. Heureusement que nous voyons ce nouveau vent. Heureusement que nous voyons que désormais on ne peut plus cacher le soleil par la main. Heureusement nous constatons que désormais ce nouveau gouvernement ici de l'opposition en réalité est en train de faire des démarches, est en train de faire des efforts pour qu'il y ait d'abord une justice pour qu'on puisse savoir où se trouvent les, autres, les camarades de Fonike Emenge et Billoba. Mais il a fallu combien de temps 100 jours. Pour qu'une métropole comme la France, qui s'était exprimée lorsque Ousmane Gawal était en prison, qui avait même donné une protection consulaire à Ousmane Gawa quand il était en prison au temps de M. Alpha Condé, là, ils ont, se sont exprimés sur ce qui se passait sur la Guinée. Mieux, ils sont allés jusqu'à lui donner une protection. On comprend maintenant pourquoi tous les gouvernements qui sont en train de se succéder, la même personne continue toujours d'être maintenue dans les différents gouvernements. C'est cette personne qui est devenue aujourd'hui pyromane. Alors la responsabilité de la France est triplement engagée en ce qui concerne le CNRD. Un d'abord, c'est votre légionnaire que vous nous avez donné. Vous avez la responsabilité morale que c'est une, une personne que vous avez formée qui est aujourd'hui en train de massacrer les Guinéens. Hein? La deuxième responsabilité, c'est celle que vous êtes en train d'entretenir à travers ces formations militaires. Cette collaboration militaire entre la France et la Guinée, vous êtes en train. En plus d'avoir formé des gendarmes et des militaires qui sont en train aujourd'hui d'opprimer le peuple de Guinée, vous avez maintenu la collaboration militaire avec cette gente. Voilà, c'est votre deuxième responsabilité. La troisième responsabilité que vous avez, c'est celle du fait que c'était le lobby français qui est en train de conseiller le CNRD. La preuve ou les preuves. Avant qu'il y ait cette dissolution du Sénat, donc l'Assemblée nationale française, n'y a-t-il pas eu une autre dissolution de gouvernement au mois de mars à la République de Guinée Dans quel but Et finalement, quelle est la personne qui a été nommée à ce niveau C'est un politicien de la première génération ou parmi les plus vieux de la politique, donc Baouri, qui est très âgé, qui vient remplacer un premier ministre jeune, comme par hasard, quand il y a eu les élections. Au niveau du Parlement de l'Assemblée nationale française, c'est un vieux politicien qui vient remplacer le plus jeune, donc le plus vieux Premier ministre qui vient remplacer le plus jeune Premier ministre de la France. Cette coïncidence, elle est quand même frappante. Comme par hasard, le même risque pris en Guinée pour dissoudre ce gouvernement au mois de mars, c'est encore la même démarche qui est prise en France, pour ne pas dire par le même conseiller qui a, qui a dissous avec tout le risque avec, contre toute attente, l'Assemblée la, nationale sache très bien qu'il risque gros en faisant cela. Mais il l'a fait quand même. Cette coïncidence n'est non seulement pas fortuite, elle est quand même frappante. Pour continuer toujours au niveau des coïncidences, comment expliquer que les Fonicémenge soient aux États-Unis, qu'ils passent par la France, qu'ils informent certains députés ou certains responsables de la France, et d'ailleurs le FNDC continue d'être reçu, à l'Elysée, mais aussi au Quai d'Orsay, comment comprendre que ces personnes qui étaient en train d'accueillir les Phonik y compris quand il y avait des, des, des activités ou des événements à l'ambassade de France, que l'ambassade de France ne se prononce pas sur l'arrestation ou la disparition des Phonik Comment comprendre qu'il faille toutes ces démarches, qu'il faille toutes ces dénonciations, qu'il y ait toute cette pression pour qu'on parle de ces Phonik La France, de la même façon qu'elle s'était exprimée par rapport à l'honorable à l'époque Ousmane Gawal qui était en prison, qui dénonçait les moindres arrestations, c'est la même France qui a fermé les yeux et qui a fermé la bouche par rapport à ces exactions flagrantes d'activistes qui étaient toujours dans les couloirs des hautes sphères des françaises. Ça, c'était une honte. Ça, c'était encore une autre flagrance de la complicité de la France, quand je parle de la France, de la politique étrangère française. Alors, là, vous avez entendu le colonel Mamadi Doumbouya, devenu général sous vos auspices, parler d'une éventuelle candidature à travers son secrétaire de présidence et à travers le porte-parole du gouvernement. Vous n'avez bronché aucun mot. Alors qu'en 2010, lorsque, en 2009 plutôt, lorsque le capitaine Dadis avait éventuellement donné des signes qu'il pourrait se présenter, à l'époque, nous avions vu les responsables français qui étaient en train de parler de la Guinée. Donc c'est du deux poids deux mesures. Alors le peuple de Guinée a décidé de dire non. La même candidature qui a été refusée à Dadis Kamara est la même candidature qui est refusée à Mamadi Doumboué. À moins qu'il y ait du deux poids deux mesures ou bien qu'il y ait un traitement ethnique, voire même religieux. C'est un risque grave. C'est un danger que les Guinéens courent. Le peuple de Guinée n'acceptera pas à ce légionnaire ce qu'elle a refusé à ce militaire qui a fait son parcours du début jusqu'à la fin. Le capitaine Moussa Dadis Kamara est plus amoureux de la Guinée et de sa patrie que Mamadi Doumbouya. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, ce qui explique ces arrestations et ces exécutions au sein de l'armée, c'est parce que c'est un ancien légionnaire français qui n'a aucune pitié. Pour la Guinée et qui n'aime pas la Guinée, une qui ne cherche qu'à exécuter des ordres venus d'en haut, c'est pourquoi, pourquoi nous sommes en train d'avoir toutes ces difficultés. Accepter cette candidature, c'est accepter de marginaliser les forestiers. Accepter cette candidature de Mamadi Doumbouya, c'est accepter que les chrétiens ne sont pas du tout acceptés à la tête du pays parce que certains étaient en train d'instrumentaliser des Guinéens. Contre la candidature du, du, du capitaine Moussa Dadis Tamara, pour disent-ils que c'était un chrétien venu de la forêt. Si vous vous rappelez le jour du 28 septembre, quand les citoyens avaient pénétré l'ancêtre du, du, du stade du 28 septembre, il y en a parmi eux qui priaient sur, les, sur la pelouse. Pourquoi Parce que pour eux, c'était la victoire du bien contre le mal. Évidemment, c'était des gens instrumentalisés, c'était des gens manipulés à qui on avait fait croire que le capitaine Moussa Dadis Kamara était un chrétien et qu'il ne méritait pas du tout d'être à la tête du pays majoritairement musulman. C'était à l'époque la manipulation que certains Guinéens avaient subie. Et aujourd'hui, accepter que lui, Mamadi Doumbouya, ici de la Haute-Guinée, ici aussi de la communauté des musulmans, que lui, qu'on lui accepte ça, c'est à la fois d'abord aller sur le terrain de la discrimination de cette forêt, qui subit d'ailleurs toutes sortes de discriminations, toutes sortes d'injustices. Regardez le procès du 28 septembre. Sur le banc des accusés, il n'y avait pratiquement que des gens issus de la même région. Alors que là, sur la chaîne de responsabilité, où se trouvait Moussa Keta? Où se trouvait lui, Sekouba Konate? Curieusement, parce que, parce que ces gens-là sont issus de la région de la Haute-Guinée, d'où vient aujourd'hui Mamadi Doumbouya, on n'a pas touché ces personnes-là. Et curieusement, sur le banc des victimes, on avait fait croire que toutes les victimes étaient venues ici également de la même euh, région. Alors que les forces vives à l'époque qui avaient appelé à, les, à des manifestations, le FIDEC faisait partie, le RPG faisait partie. L'UFR faisait partie, l'UFDG faisait partie et la liste est longue. Et tous ces partis n'avaient pas que des citoyens ou des militants issus de la même région. Mais on avait fait croire sur ce procès qu'il n'y avait que des peuls, pour, pour, il faut le dire, qui étaient victimes, et il n'y avait que des forestiers qui étaient les bourreaux. Ça, c'est dans la manipulation du CNRD. C'est la manipulation de ceux qui sont en train de conseiller le CNRD. Alors, le peuple de Guinée dit non. Les citoyens guinéens disent non à cette manipulation, à cette séparation de Guinée. La division ne marchera plus. Désormais, les Guinéens savent ils ont un adversaire. Ce adversaire s'appelle la France. faut le dire. Et pas à tous les Français, mais cette politique de deux poids deux mesures qui est en train d'entretenir la France, nous ne l'accepterons pas. D'abord, Reporters sans frontières avait fait un rapport dans lequel ils ont pu faire complètement l'injustice que subissait la presse. Alors que ceux qui ont rédigé le rapport savaient très bien ce que les chaînes subissaient en termes de brouillage, mais aussi en termes d'arrestation. Combien de journalistes avaient été arrêtés, mis au frais, alors qu'il ne faisait que réclamer un droit. Reporter sans frontières, comme par hasard, a fait un rapport dans lequel la Guinée a été classée sur un rang plus honorable. Malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré le fait que la Guinée soit sous une transition, les opérateurs économiques français, c'est-à-dire le club de Fari, s'est permis de venir signer des contrats avec la gente sur des terres conflictuelles. Vous savez très bien que la terre de Kaloum, où il y a eu ce sinistre, c'est une terre conflictuelle. Mais vous êtes permis d'aller signer des contrats pour qu'il y ait des logements sociaux. Pourquoi n'avez-vous pas fait la même chose au Burkina, au Mali et au Niger Pourquoi Pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose au niveau de certains pays qui sont justement en situation d'exception, de, des régimes d'exception plus nous avançons, plus nous nous rendons compte, cette complicité n'est plus à démontrer. Ce soutien n'est plus à démontrer. Voilà pourquoi, pour ne pas que le live soit plus long, nous faisons d'abord le distinguo. Ce que nous demandons, c'est le départ pur et simple de l'armée française. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes en train d'installer vos bases en Afrique? Pourquoi Pourquoi l'Angleterre n'a pas de base au Ghana pourquoi Vous avez besoin de former nos militaires en étant sur les, taux, sur les sols guinéens Vous êtes-vous obligé de le faire Qu'est-ce que vous avez apporté de ces années que vous êtes resté barkane au, au Mali Qu'est-ce que vous avez aidé en termes d'impact de, de, ou d'effet à défendre, par exemple, le Congo Qu'est-ce que vous avez aidé, par exemple, à défendre ce qui s'était passé au Rwanda, par exemple Le Rwanda est là. Nous avons vu ce qui s'est passé. Malgré la présence des casques bleus, yaïs de il y a eu le massacre qu'il y avait eu. Est-ce que vous aviez pu le prévenir? Non. Alors, mettons-nous d'accord sur les termes et sur les principes. La présence de cette armée en dit long et elle cache autre chose. En réalité, vous êtes là pour des intérêts qui ne sont même pas connus par les peuples qui sont, vous, vous ont mandatés. La preuve en est qu'aujourd'hui, le débat, il y a une enquête, il y a une commission d'enquête au sein de l'Assemblée nationale française pour dire aux Français ce que vous êtes en train de faire sur un autre sol, ce qui les engage. Donc, continuons sur ce distinguo, faisons la différence que les citoyens français sont les bienvenus en Guinée. De la même façon que les Guinéens et les Africains en général sont les bienvenus en Europe. Là, n'est pas le problème. Justement parlant de l'Europe, si aujourd'hui vous voulez traiter l'immigration en Europe, il faut la traiter à la source. L'immigration clandestine et ces, 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 ces migrants clandestins sont sur les sols européens parce qu'il y a une politique qui est en train de les opprimer sur leur sol. Allez sur les statistiques. Entre le mois de septembre et le mois de décembre 2021, regardez les déplacements pour la Guinée. Regardez le nombre d'Européens ou le nombre de Français ou le nombre de Guinéens qui étaient en France ou en Belgique ou même en Allemagne, qui avaient dans l'espoir qu'il y aura un changement en Guinée avec ce coup d'État, combien d'expatriés de, ou combien de, de la diaspora avaient quitté l'Europe pour se retrouver en Guinée. Tellement que les hôtels étaient bondés, certains étaient obligés d'utiliser d'autres moyens pour s'héberger. Il y en a qui s'étaient hébergés dans des pays frontaliers, comme le cas par exemple de la Sierra Leone. Tellement que les hôtels, malgré qu'il y avait eu de construction d'hôtels, les hôtels étaient archicombles. Alors imaginez que cet espoir, ce vent d'espoir à l'époque, de ces Guinéens qui avaient estimé que leur pays va sortir désormais de l'ornière, que désormais qu'il y ait une bonne gouvernance en Guinée. Vous pensez que cette horde de personnes, cette euh, cette cette pléthore de personnes qui sont en train de venir engorger justement le, le, le système d'immigration européen, vous pensez que ces personnes-là n'allaient pas s'occuper d'autres choses Arrêtez de vous tromper, arrêtez de de submerger les pays front, les pays voisins à l'Europe. Aujourd'hui, tout ce problème, c'est le fait de la politique étrangère française. L'Allemagne en souffre, la Belgique, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, vous avez vu le cas de l'Italie, qui a décidé d'investir de l'argent dans un autre pays, tout simplement pour contrecarrer cette immigration, quitte à aller dans des pratiques qui sont anti-républicaines, des pratiques anti-humaines. Tout cela aurait pu se résoudre si justement vous disiez la vérité à cette politique étrangère française d'enlever de, sa main. Et d'enlever, de collaborer avec des régimes dictatoriaux. Donc, si vous voulez régler ce problème, n'allez pas sur ces mesures qui nous feront que vous discréditez à la face du monde. Réglez le problème de ces Africains en laissant les Africains gérer leurs propres problèmes. Sortez votre armée de ces pays africains. Arrêtez de faire ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Nous avons tous vu ce livre qui a été fait par M. Bourgui qui a expliqué que M. Euh, Nicolas Sarkozy, à l'époque lui aussi, avait voulu aller à contrario de ce que le, les, les, les urnes en, en Côte d'Ivoire avaient, 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 avaient décidé. N'est-ce pas une responsabilité qui vous engage N'est-ce pas une preuve de l'échec de vos efforts Parce que finalement, qu'est-ce que vous avez fait qui pourrait être à l'avantage de la France en tant que tel. Vous n'avez fait encore que mettre des problèmes sur ces pays africains, conduisant à un, un départ massif de ces Africains vers le sol européen. Alors pour faire simple, si vous voulez vraiment être sincère dans votre lutte contre l'immigration clandestine, si vous voulez faire une lutte sincère contre l'anarchie, si vous voulez faire une lutte sincère, pour les valeurs républicaines que vous défendez en Ukraine et partout dans le monde, faites preuve de cela en Guinée. La Guinée a longtemps souffert. La Guinée a dit non à la colonisation, mais elle est aujourd'hui dans une colonisation qui ne dit pas son nom. Acceptez de partir. Acceptez de faire comme tous les autres. Au début, il y avait l'Italie. Il y avait la Belgique. Il y avait la France il y avait l'Angleterre et j'en passe mais aujourd'hui sur les bases militaires quelles sont ces puissances qui sont restées en Afrique la réponse vous l'avez mais est-ce que cela a permis à ce qu'il y ait du répit ou du changement positif sur les sols africains la réponse également elle est connue et c'est non comme il y a

ko honno tawiri o debuit hari no nantondira ha yehi non laaɓani men pos me yi'i hande kadi wonde ma ɓenndi so yimi fuɗɗori yewtere nde ngol a yananta goɗɗo mo tawataiɗa a anndi taw mo mari doole hoore maɗa ɓenndi nyamman mure nden nde on fof o yi fewɗoɗo niini ni deficit mo francais joggi o on fof o yi ni difficulté ji di ɗiɓe mari ɗin ande non ko di difficulty ji ka ka no ka no do kadi be marno fewdo de gol ka pay africainji ɗin huruno ha ndaari tawi hihi fodama premier be wadana ka ɓe be fuy ɓe yikono hande ɗo ɗi payiji ɗo fiyo waawo heɓude hore mudu ko muuwawa dekolude komafamtere ancien colonijiɗi ɓe ɓilli ɓe yoƴƴi sino ko no kono don famude france e dole muuɗum fewdo untuma sei ku ture'en tawɓe ko sukaaɓe ko faybe wobbe mabbe taw fuswara degol ɗe ɗo waawi dartade degolwowamokaawoliɗ ɗon sikka hari ko france dolnunooɗo gootoon wonno ko arno laineontua o anndi ton non ka deuxieme gere waɗunooɗon france wonno ɓuri hitaande alleman ɓe ɓenhi no ari assiegi france ɗon pari tigi tai woni pri. ko yaltugol maɓɓe non e de tampere do. ɗo tai handekadi ɓe ndarode ko honno ɓe moƴƴintieta lediiɓe sonji ko ɗum ɗo pay africain ji ɗin profiti na giggol maɓɓe ɓe jonnirno en independence goy na e wela ye maɓɓe ɓe jonnirno en gon independence go o yawnotai pepleji ɗin andi hande kadi ko hombe woni be kambe andi wondema contraireman eko ɓe faminani ɓe ko wonde ma be fofi yi'i ko honno tawiri ɓe mari kulol yahdi e woɓɓe maɓɓe gereeji yii ɓe rondito juuɗe ɓe wullirawa booboɓe be. be doga kamɓe tiraeurɓe ɓen tawa ɓe dartaade ɓe won be wonɓe yahde men afrika ɗo arda e pinkaaji mudun jaka ko ni be skuliri reedu jaka be kanyun kadi ko nimariri pasque harino waɗaka ko'e ɓaleɓɓen wondema portoɓɓen kamɓe ɓe mayata wondema kamɓe portoɓen hiɓe nawnaa je ɗen anndirton tawkoonnon ɓe waɗuno en afriquen 59 minutes directement joni <tri> haray mi lannitoy to yewtere nden njanngu sallaje miɗo haaɗude waɗo janngo mi explikanoe en ƴoyre nde ɓe waɗunoonden e ore africain be ɓen fewndo ɓe arno en tant que missionnaire ɓe faminani en wonde ma kamɓe ɓe marno pouvoir mo tawata enen africain be ɓen en ala ɓe gollitiri manipulation ji ton haa ɓe waɗi ko tawata ko ɓeyyawnoɓe tiraleur ɓe arti ko ɓe wayaade yo a tawa jaka sina kamɓe non itlaire waawe tanoke fooleede anda jaka naa pinkaje ɗen ton woni kanyun ko determination e e changal kono yi hannde ɗo ka rekonesugol valeur ji ben ɗon kon be ɓe waɗanno traleurɓe ɓen caaroyi sengo Senegal so yi Senegal no suusi be moja buri peyi ji luttu ɗin no andi onto to yahdii e maɓɓe sénégal no andi onto sorto sortondire maɓɓe janngo noon allah jaɓmi mi yewta en dun ɗum ɗo prisandetay mi holla e role mo be ne wadde o mi jonna en non consigne ko do wadde wadde ko mitoriki allah wono ballo meɗen hawrindinae sowaba allahuma amin allahuma salli ala sen mada sallim assalamu aleykum wurahmatullah barakatu